Good morgen, Aleid, et les sujets aujourd'hui le Nishmat, Richard Ron Ben Fortuné Mazal et Claude Israël Ben Fortuné Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, vous pouvez contacter la Sacrée Éternelle. Nous étudions Maseret Beitza, Père Gimel, Mishnah Hei. Behema Shemeta lo Yezizena Mim Koma. Oma Se Veshalo et Rabbi Tarfon, Alea, Valachala Shemit Mea. Nihna Sebet Hamidrash, Veshaalu, Veshaal, Vamrulo, Lo Yezizena Mim Koma. Je commence par traduire une BMH Meta, un animal qui est mort pendant Yom Tov. Lo yazizena mim koma, il ne pourra pas déplacer son cadavre pendant Yom Tov. Soit, on est toujours en rapport avec la halakhot de Mouktse, à Yom Tov, on en parle très longuement dans Maseret Beitza. Mouktse, c'est quelque chose que on n'a pas prévu de l'utiliser pendant Yom Tov, au moins de la sorte. Et donc, du coup, un animal, peut-être que tu vas avoir une intention que tu veux le faire acheter pour le manger. Mais à partir du moment où l'animal, il ne va pas être apte à être mangé. Alors maintenant, c'est devenu de la bonne viande pour chien. C'est devenu un cadavre. Est-ce que tu as le droit de le déplacer? Eh bien, la Michelle me dit que ça ne s'appelle pas moukhan, c'est mouksé. C'est pas quelque chose qui est que tu prévois d'utiliser de la sorte, donc il est exclu de ton utilisation. Comme ça, c'est rapporté apparemment. En réalité, c'est pas exact, parce que réellement, un animal qui est Khoulin, qui avait un doute, est-ce qu'il n'allait pas mourir de lui-même pendant Yom Tov, eh bien réellement, tu as une intention que si au pire il meurt, tu le donneras à manger au chien et tu auras le droit de le donner à manger au chien. S'il est en pleine santé et qu'il est mort soudainement, non. Mais s'il avait un brin de. Tu avais un soupçon qu'il allait. Tu prévoyais que l'animal allait mourir pendant Yom Tov, eh bien tu as réellement une intention de consommer pendant Yom Tov, de le donner à manger pendant Yom Tov aux animaux, aux chiens. Donc du coup. L'Agma explique qu'on parle certainement d'une behemat kodshim, d'un animal qui est kadosh. Un animal qui est kadosh, s'il a un défaut, tu peux le racheter, mais dès qu'il est mort, tu ne peux plus le racheter. On n'a plus de possibilité de le racheter. Et c'est de ça qu'on parle en fait, on parle d'un animal qui est mort, et donc un animal qui est mort, kadosh qui est mort, que tu n'as plus rien à faire avec lui, et bien dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le déplacer pendant Yom Tov, à plus forte raison, tu n'as pas non plus de le donner à manger au chien, d'aucune manière. D'accord, il faut juste l'enterrer après Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu n'as plus le droit de le déplacer. Et d'ailleurs, Umaase, il y a eu une fois un cas qui s'est présenté. Veshalou et Rabbi Tarfon. On a posé la question à Rabbi Tarfon. Aléa, sur elle, sur un animal qui était kadosh et qui est mort de lui-même. Veala Chala Shinitmea aussi, sur une Chala, le prélèvement de la Chala. Ça, c'est quelque chose qu'on a donné au Kohen. Et si elle a été impurifiée, alors le Kohen ne pourra plus la consommer. Donc du coup, si on a le droit de la déplacer pendant Yom Tov, et ben on n'aura pas le droit de la déplacer pendant Yom Tov, parce qu'elle n'a aucune utilité pendant Yom Tov, elle devient mouktse. La Chala Shenitmea, donc c'était la Chala qui est devenue impure, et du coup, le Kohen n'a rien à faire avec ça. Donc du coup, tu n'as pas le droit, il n'y a aucune utilité, et apparemment que Rabbi Tarfon ne connaissait pas la réponse à cette question. Il est rentré au Bet HaMidrash. Et Veshal, il a posé la question au Chachamim qui était là-bas. Ils lui ont répondu Lo Yezizem Mimkomam. Que ce soit l'animal qui est kadosh, ou que ce soit la Chala qui est devenue impure, eh bien, Lo Yezizem Mimkomam, il ne pourra pas les déplacer de leur place, il n'aura pas de les toucher. Parce qu'ils sont mouktés. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.